Oui, bonjour, est-ce que vous nous entendez? Madame Claire, Oui. peut-être? Madame Guillemot, est-ce que quelqu'un nous entend? Oui, tout à fait, moi je vous entends. D'accord, ok, très bien, merci. Je m'entends en écho, mais je vous entends. Madame Claire, est-ce que vous pouvez essayer de parler pour voir si on vous entend, s'il vous plaît? Ah, puis ça fait un larcin. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Madame Guillemot. Madame Constant, est-ce que vous pouvez parler pour voir si on vous entend bien? Bonjour, vous Très bien. m'entendez? Oui, on vous entend. Parfait. Merci beaucoup. Recording in progress.
Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vous propose que nous commencions. Mesdames et messieurs les représentants des villes de Lyon, Nantes, Rennes et Strasbourg, merci pour et Paris, merci pour votre présence, mes chers collègues. Notre délégation a lancé au mois de novembre dernier une mission d'information sur les budgets genrés sous la conduite de nos collègues Céline Calvez et Sandrine Josseau, qui sont à mes côtés et qui prendront bien entendu la parole dans quelques instants. Après le lancement en 2019 par l'administration centrale d'une expérimentation intitulée « Budget intégrant l'égalité », regroupant quatre ministères sous l'égide du ministère des Finances et du Service des droits des femmes et de l'égalité, nos rapporteurs ont souhaité apporter une nouvelle dynamique à cette démarche. Il s'agit de déterminer quelles suites peuvent y être données et par quelle méthode, en analysant les avantages des budgets genrés, mais aussi les obstacles à leur mise en œuvre. Dans ce contexte, nos rapporteurs ont souhaité alimenter leurs réflexions d'exemples et de bonnes pratiques ayant été mises en œuvre à l'international, mais aussi par nos collectivités territoriales. À cette fin, nous entendons aujourd'hui des représentantes et représentants de plusieurs des villes ayant mis en place une démarche de budget genré au cours des dernières années. Chacune des villes pourra faire une présentation d'une dizaine de minutes de la démarche qu'elle a engagée, après quoi nous pourrons avoir un temps d'échange et de questions qui sera introduit par les questions de nos rapporteurs, bien entendu. Ce sera également pour nous l'occasion de faire état des éventuelles expériences dont nous avons pu avoir connaissance sur nos territoires ou dans nos parcours. Avant de commencer, permettez-moi tout de même de faire un rapide point d'agenda de nos travaux. Le jeudi 23 mars prochain à 9h15 en salle Lamartine, je vous rappelle que la délégation entendra messieurs Delaporte et Vogetta sur leur proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, avant d'auditionner la ministre Isabelle Rome sur sa feuille de route à la suite de la tenue du comité interministériel sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, le mercredi 5 avril à 16h30, nous auditionnerons Madame la ministre Agnès Firmin-Lebodo, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, dont l'audition avait été précédemment décalée. Enfin, je vous rappelle la date du 2 mai 2023 à 17h30, où nous organiserons la projection du documentaire « Lettre à l'enfant que tu m'as donné » de Charlotte Silvera. Cette projection sera suivie d'une table ronde en présence de la ministre Isabelle Rome. Nous en arrivons maintenant à notre ordre du jour, à notre ordre du jour, et je vous propose alors peut-être de laisser la parole à nos rapporteurs d'abord, donc d'abord les villes. Je vous propose à chacune des villes, pour les prises de parole, je vous propose de nous en tenir à l'ordre que nous avions donc défini, et de commencer par la ville de Lyon pour ce premier propos liminaire. Donc nous ferons les différentes villes avant la prise de parole de nos rapporteurs. Bonjour à toutes et à tous. Ah, je ne sais pas si j'attaque tout de suite. Donc moi, je suis Audrey Enoch. Il y a un peu d'écho. Adjointe au maire de Lyon, en charge des finances et de la commande publique. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que je peux parler de l'exemple de Lyon, alors, comme vous l'avez souhaité? Attendez juste un instant. Ah, attendez, je vous propose, nos rapporteurs souhaitent d'abord peut-être soulever leurs quelques questionnements. Donc je vais d'abord laisser la parole à nos deux co-rapporteurs, avant de vous céder la parole, Madame Enoch, Bertu, Le Tourneux, Guillemot et Constant. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous depuis Lyon, Rennes, Nantes, Strasbourg et Paris. Je suis Céline Calvez, avec Sandrine Josseau, nous co-rapportons cette mission. Elle nous tient à cœur, car pour nous, c'est un des leviers avec lequel nous pouvons favoriser l'égalité. Nous avons, dans nos travaux précédents, pu voir des exemples à l'étranger, mais nous savons, et c'est important, que dans les villes, à l'échelle locale, il y a déjà des travaux et nous sommes vraiment intéressés
pour voir comment le processus de mise en place a été fait, comment au niveau du vocabulaire nous parlons de cette démarche, est-ce qu'on parle de budget genré, est-ce qu'on parle de budgétisation sensible au genre, et ça on aura à cœur aussi de vous entendre sur ce sujet. Un des aspects fondamentaux pour vous entendre, c'est pas seulement des exemples, mais c'est de tirer des enseignements sur la méthodologie à pouvoir mettre en place pour vraiment retirer le maximum de cette politique budgétaire en faveur de l'égalité. Je propose à Sandrine Josseau éventuellement de pouvoir compléter cette introduction, mais on a besoin de concret, on a besoin de valorisation de votre démarche, et c'est pour ça qu'on en a souhaité vous entendre ce matin. Merci, chers collègues, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. De plus en plus de villes s'engagent à mettre en œuvre des budgets genrés afin de veiller à l'égalité entre les hommes et les femmes en matière de dépenses. Et c'est une question d'équité, une démarche résolument moderne que je soutiens, que nous soutenons pleinement avec Céline Calvez. Cette démarche a été initiée pour la première fois en 1984 en Australie. De nombreuses organisations internationales l'encouragent, notamment l'OCDE, le Conseil de l'Europe et le FMI. C'est un travail essentiel qui demande une expertise particulière. Nous en tirerons des enseignements important afin de mieux prendre en compte l'égalité entre les hommes et les femmes dans la dépense publique, qu'elle soit locale ou nationale. Aussi, donc, bien évidemment, je suis très heureuse d'être avec vous, et pour conforter les propos de ma collègue co-rapporteure, nous vous souhaitons bien évidemment des exemples concrets. On vous remercie. Merci, mesdames et Madame Enoch pour la ville de Lyon. Je vais vous redonner la parole. J'espère que vous nous entendez bien. On vous entendait bien hein, il y a un instant. Et juste pour rappeler l'ordre, après vous, ce sera Madame Berthu pour la ville de Nantes. Nous aurons ensuite la ville de Paris. Puis nous finirons par Madame Letourneux pour la ville de Rennes. Madame Leclerc pour la ville de Strasbourg. Voilà. Donc Madame Enoch, à vous la parole pour une dizaine de minutes. Merci. Ben merci. Moi, je suis ravie d'être avec vous à distance. Et je salue vraiment les travaux de la Commission pour encourager ces démarches de budgétisation sensible au genre sur les territoires, et puis qu'on arrive à capitaliser nos expériences pour avoir des méthodologies qui soient plus faciles pour l'ensemble des collectivités locales, et puis évidemment du budget de l'État et de la sécurité sociale aussi à terme. Donc nous, à Lyon, nous avons lancé la budgétisation sensible au genre très tôt. C'était dans notre programme politique pour les élections de 2020, pour deux raisons essentielles. Premièrement, parce que l'égalité entre les femmes et les hommes est un élément très important de notre projet. Nous avons adopté notre plan de mandat à travers une grande délibération en mars 2021, et donc on a vraiment à cœur de mettre en œuvre, enfin, d'encourager en tout cas cette égalité entre les femmes et les hommes. Donc c'est une démarche que je co-porte avec ma collègue adjointe à l'égalité, Florence Delaunay. Et c'est également pour nous un outil très important dans le fait d'élaborer un budget qui a du sens et d'avoir des indicateurs dans notre construction budgétaire et de pouvoir rendre des comptes par rapport aux choix qui sont faits. Donc là, on travaille sur le budget sensible au genre à proprement parler avec cette approche d'égalité femmes-hommes. Mais en fait, à terme, c'est d'autres séries d'objectifs à atteindre qu'on devrait pouvoir aussi évaluer. Voilà, donc je m'intéresse notamment à ce que fait le Canada avec la démarche, c'est Montréal, ABS, où on a aussi des données sur les catégories socioprofessionnelles, par exemple, et autres. Voilà, mais pour revenir sur l'égalité femmes-hommes, eh ben déjà, c'est un impératif, parce que moi, je ne vais pas vous refaire toute l'analyse sur les inégalités, hein, mais on peut quand même citer le livre de Yves Réfaux, « La ville faite par les hommes et pour les hommes », qui montre que si on ne chausse pas des lunettes précises pour analyser comment les dépenses publiques bénéficient aux usagers hommes ou femmes, on ne se rend pas forcément compte des déséquilibres. Donc nous, on a tout de suite bien précisé que ce n'est pas un budget féministe ou genré, parce que ça donnerait l'impression qu'il y a tout de suite une volonté de donner plus aux femmes. Nous, c'est vraiment l'idée d'analyser
comment les usagers, garçons ou filles, ou femmes ou hommes, bénéficient des budgets de la ville pour pouvoir éventuellement rétablir les déséquilibres. Quand c'est pertinent d'ailleurs, ça n'est pas forcément... Ça n'est pas forcément, mais quand c'est pertinent, il faut rétablir en effet les déséquilibres. Et donc après, c'est des décisions qu'on peut prendre sur le plan budgétaire ou sur le plan de choix politique, de communication, de contenu des programmes ou des projets qui n'ont pas forcément un impact sur le budget. Donc, on s'est fait aider à Lyon d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, parce que c'est vrai que c'est des sujets nouveaux qui ne sont, qui sont pas connus. On a été aidé par le groupement Perf Égal et Lettre Égale. Et on a fait le choix de, d'essayer à la fin du mandat pour 2026 d'avoir une budgétisation sensible aux gens pour l'ensemble des politiques publiques. C'est un peu la spécificité peut-être par rapport à d'autres approches qui ont été faites. Par ailleurs, c'est qu'on aimerait avoir une vision globale de tout le budget de la ville. Mais ceci dit, il faut quand même commencer par expérimenter, évidemment, par des directions. Et donc, on a expérimenté sur 5 secteurs. La commande publique, je la mets de côté. On pourra en parler peut-être après dans les questions. Finalement, on s'est rendu compte que la direction de la commande publique qu'on avait mis dans le premier package, on répond plutôt à la question de l'égalité femmes-hommes à travers les schémas de promotion de l'achat durable, hein, le SPASER. Et donc, on fait des choses, mais ce n'est pas une direction comme une autre, finalement. Par contre, donc, on travaille avec la direction des sports, la direction des espaces verts, le musée des Beaux-Arts de Lyon et une mairie d'arrondissement, celle du 7e arrondissement. Et donc, avec ces directions, il y a eu tout d'abord un travail de formation assez importante et d'acculturation des enjeux. Ensuite, on a présenté la méthode qu'on a adoptée. Donc, c'est la méthode tricatégorielle qui est inspirée notamment de ce qu'a fait le centre Aubertine-Auclair. Et puis, il y a eu donc un travail très important sur le budget 2022 d'analyse en fait, hein, de l'ensemble des lignes budgétaires de ces quatre directions en lien entre les techniciens des directions opérationnelles, ceux du contrôle de gestion et ceux des finances. Donc, au bout d'un an, voilà, là en décembre 2022, on a pu déjà avoir... Le rendu de ce que donnait la mise en œuvre de la méthode tricatégorielle. Donc, je pense que vous connaissez cette méthode. On regarde l'ensemble des dépenses de fonctionnement, parce que pour l'instant, on est sur les dépenses de fonctionnement. On regarde les dépenses qui sont neutres, c'est-à-dire, par exemple, on prend souvent l'exemple de la maintenance d'un bâtiment, qui n'y a pas d'influence pour les hommes ou pour les femmes. On regarde ensuite la catégorie des dépenses qui sont volontaristes, véritablement ciblées vers le rétablissement de l'égalité. C'est souvent les projets qu'on retrouve dans le rapport de l'égalité femmes-hommes, hein, c'était une de vos questions. Donc ça, c'est le volontariste, mais c'est très minoritaire en général. Et enfin, troisième catégorie, la plus intéressante, c'est la catégorie de ce qui est genrable. Donc, on peut regarder si les bénéficiaires sont plutôt les garçons ou les filles ou les hommes ou les femmes. Et donc là, on voit, je ne sais pas si on peut projeter ou pas, j'avais envoyé un petit schéma, juste un seul pour ne pas faire une présentation un peu trop lourde, mais ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas le projeter, où on voit pour les quatre directions, ben voilà, en fait, une analyse très différente, donc c'est hyper intéressant. On voit que la direction des sports a mis quasiment tout son budget en genrable. Parce qu'en fait, ils ont bien compris la démarche. Et c'est-à-dire que même quand on rénove, par exemple, un gymnase, donc c'est technique, hein, si on refait la toiture, par exemple, pour éviter qu'il fuit. Mais en fait, si ce gymnase il est utilisé à 80% par des hommes, parce que c'est plutôt des activités où il y a des hommes qui sont dedans, eh ben, c'est quand même une dépense de la ville qui bénéficie aux hommes. Alors qu'inversement, vous voyez que la direction des espaces verts, ils ont quasiment mis tout en neutre. Voilà, parce que eux, quand ils installent, par exemple, un système d'éclairage public au-dessus d'un parc, ils ont l'impression que c'est neutre, parce qu'évidemment, le lampadaire, il éclaire de la même manière un homme ou une femme. Mais en réalité, si ce parc est utilisé essentiellement par des femmes, par exemple, ben, en fait, c'est une dépense qui va aux femmes. Donc, catégorie genrable.
Je vais même plus loin, si on se rend compte que ce parc était très peu usité par les femmes, notamment parce qu'il est très sombre par absence d'éclairage, et que la mise en place d'un éclairage public apporte un sentiment de sécurité et qu'il y a plus de femmes qui y vont dans ce parc, on pourrait même être dans la catégorie des dépenses volontaristes. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de continuer en fait, le travail d'approfondissement avec ces quatre directions sur l'année 2023, parce que voilà, on voit l'importance de cette acculturation. Voilà. On peut enlever, je pense, le graphe maintenant, merci. Donc, peut-être pour venir maintenant justement au premier enseignement. On a pu constater que ce qui manquait beaucoup, c'est surtout les données sexo-spécifiques pour savoir qui utilise nos équipements ou nos politiques publiques. Donc là aussi, la direction des sports était un peu favorisée parce qu'en général, on a les données des adhérents des clubs de sport, des inscrits aux activités d'éducation populaire sportive, etc., etc. Alors que ce n'est pas forcément le cas dans les autres secteurs. Donc, pour le Musée des Beaux-Arts, ils étaient en train de conduire une étude des publics qui va se terminer dans quelques semaines. Donc, on va pouvoir bénéficier de plus de données. Quant à la direction des espaces verts, ben, ils partent de zéro. Et donc, on a fait le choix pour 2023 de financer une étude des publics pour compter en fait qui va dans les espaces publics et à quel moment. Donc ça, ça va être voilà, vraiment une grande aide pour continuer à avancer sur ces quatre directions en 2023. En 2023, on a aussi le souhait d'analyser l'ensemble des subventions de la ville en utilisant notre nouveau portail des aides qui est en ligne. Et puis ensuite, en 2024, on espère pouvoir élargir la démarche à de nouvelles direction. Voilà. Donc, juste pour finir peut-être sur les conséquences de ce travail, eh ben, on le voit, hein, je vais prendre l'exemple de la direction des sports parce que c'est la plus avancée, qu'en fait, on part de notre analyse pour prendre des décisions budgétaires, ce qui est l'objet quand même de la budgétisation sensible au genre. Et donc, il y a des décisions qui sont directement financières. Par exemple, on s'est rendu compte que le grand tournoi de tennis était moins financé pour la version féminine que pour la version masculine. Il y avait une subvention en 2020 de 145 000 euros pour le tournoi masculin et de 45 000 seulement pour le tournoi féminin. Donc maintenant, ils auront 100 000 euros chacun. Donc là, c'est, bon, voilà, c'est direct. Mais il y a aussi des approches qui ne sont pas directement financières. On s'est rendu compte, par exemple, que notre activité des vacances d'été, des petites vacances scolaires qu'on appelle Divertisport à Lyon, c'est en fait un centre aéré, mais tourné vers le sport, on a environ 60% de participants garçons et seulement 40% de filles, avec même une petite aggravation de l'écart entre 21 et 22. Et donc là, ça va être plutôt un travail sur le fond de la programmation qui est proposée aux enfants, pour peut-être avoir des activités qui plaisent plus aux filles. Et puis également une communication pour rappeler que le sport, c'est pour les filles aussi. Voilà. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut un peu débattre parce que c'est un peu le biais, et après je terminerai là-dessus, le biais qu'on a souvent, on nous critique de... Il y a toujours un petit risque de renforcer les stéréotypes dans un premier temps. Avec l'exemple de Divertisport, si on voit que les filles, elles ne viennent pas et qu'en fait... elles préfèrent qu'il y ait de la danse et de la gym, ben on va peut-être devoir mettre de la danse et de la gym. Après, quand elles auront l'habitude, quand il y a des vacances, d'aller faire du sport, on pourra introduire du volley, du handball ou d'autres sports qui sont un petit peu plus mixtes, quoi. Donc voilà où on en est à la ville de Lyon. Désolée si j'ai été un peu longue. Merci beaucoup, Madame Enoch. Vous avez parfaitement respecté le temps des 10 minutes qui vous étaient imparties. La parole est maintenant à Madame Mao Bertu, adjointe en charge de l'égalité de la ville non sexiste, de la lutte contre les discriminations et de la vie associative à la ville de Nantes pour une durée de 10 minutes. Merci. Bonjour, merci beaucoup déjà de nous avoir proposé de pouvoir participer à ce panel. Moi, je suis vraiment ravie également de pouvoir entendre mes collègues puisqu'on est de notre côté vraiment sur une démarche qu'on initie à peine puisqu'on a tout voté en décembre. Donc, on est vraiment sur le premier budget sensible au genre pour 2023, mais ça me semble intéressant de présenter effectivement ce qui nous a amené à faire ce choix et puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui.
On est sur une démarche qui est vraiment en parallèle de notre budget climat. On s'est engagé vraiment sur les deux axes. C'est nos deux marqueurs, les piliers de notre action, à la fois à la ville de Nantes et à Nantes Métropole. Donc moi, je suis adjointe à la ville de Nantes. Je suis également conseillère métropolitaine et je suis aux côtés du vice-président, du premier vice-président, les questions d'égalité pour la métropole. J'en dirai aussi quelques mots puisqu'on a profité des deux derniers conseils pour pouvoir passer également le budget sensible au genre pour la métropole. Donc l'idée, c'est d'avoir pour cette première année 2023 nos premières analyses. C'est également un engagement du mandat qu'on avait pris, qu'on n'a pas réussi à initier dès le début, puisque c'est effectivement beaucoup de mise en œuvre avant de pouvoir se lancer concrètement sur l'analyse d'un budget, et un peu de réticence également. Je crois que ça, si ça vous intéresse, donc j'en dirai quelques mots. On a vraiment une différence notable avec le budget climat, qui a une méthodologie extrêmement claire, une analyse très catégorisée. Et je pense que quand on est arrivé avec la volonté d'avoir une budgétisation sensible au genre, c'est vraiment ce qu'on nous a opposé, la crainte d'une lecture un peu simpliste entre des usages de femmes et des usages d'hommes, et donc potentiellement le risque d'aller aggraver, en tout cas de lire avec beaucoup de préjugés ces usages-là. Je pense que cette analyse qui nous a été présentée, elle cache aussi une part de crainte sur les résultats et donc sur la nécessité de rectification par la suite de nos budgets. Donc on a là un travail vraiment, je dirais, en interne d'explicitation, et puis il faut aller convaincre l'ensemble des collègues et puis de nos agents aussi de la démarche. Donc c'est pas rien dans ce travail-là, et c'est pour ça que nous on lance ce budget finalement à la moitié de notre mandat. On est aujourd'hui sur un portage par l'adjoint aux finances, et donc sur le budget climat et sur le budget sensible au genre, les deux adjointes associées sont vraiment dans un travail partenarial, mais le portage est bien assuré par notre adjoint aux finances. Vous aviez une question de terminologie. Moi, je rejoins tout à fait ma collègue adjointe de Lyon sur la question du budget genré. Nous, c'est vraiment une terminologie qu'on a éliminée puisqu'on essaye de ne pas parler de manière générale situations qui seraient genrées, mais bien d'une analyse sous le prisme du genre. Donc, on a choisi la question de la budgétisation sensible au genre pour pouvoir parler de cette analyse-là. On a eu un gros travail en interne pour savoir si on se retenait, si on s'en tenait aux dépenses ou si on allait sur l'analyse des recettes. On sait qu'on a aujourd'hui dans les recettes d'une collectivité des différences fondamentales, y compris sur les questions, principalement si je prends un seul exemple, mais de la part des familles monoparentales, on voit bien qu'on n'est pas du tout sur la même les mêmes foyers, les mêmes revenus. Et donc, on a là des sujets qui peuvent être des sujets d'inégalité dans les recettes de nos collectivités, puisque ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a regardé jusque-là. Pour autant, on s'est dit qu'on allait rester humble dans le lancement de cette démarche et donc s'en tenir aujourd'hui aux dépenses. Mais c'est bien quelque chose qu'on a fléché dès le début, de manière à ce que ça soit y compris bien clair dans l'esprit de l'ensemble des agents qui vont travailler sur ces sujets, que en réalité, la question des dépenses, elle n'est pas neutre. Ça, on commence à le faire entendre à tout le monde, mais que la question des recettes, elle n'est pas neutre non plus. Et donc, on a souhaité le poser quand même de prime abord, même si ce n'était pas forcément quelque chose sur lequel on allait pouvoir travailler tout de suite. Dans les achats publics également, là, on a une réflexion donc, qui est vraiment menée, je dirais, à part de notre budgétisation sensible au genre, avec une action vraiment volontariste sur ce volet-là, mais qu'on a vraiment différencié de la budgétisation sensible au genre. Vous aviez posé une question sur la formation à ce sujet-là. On a, nous, également été accompagnés par Perfégal. On a souhaité commencer notre démarche par une sensibilisation de deux directions, de la direction égalité, donc qui suit l'ensemble de nos sujets égalité femmes-hommes, et puis plus largement du marqueur égalité qu'on souhaite à 360 degrés, qui inclut également des questions de justice sociale et territoriale, et de la direction des finances, puisque l'idée, c'est bien qu'à chaque fois qu'on va aller étudier un budget, on ait un travail conjoint entre la direction égalité, la direction des finances et la direction en question. J'en précise
Je précise quand même à ce sujet qu'on a organisé ce temps de sensibilisation et que sur le premier temps, nous n'avons eu aucun agent de la direction des finances qui est venu à ce temps. Voilà, là aussi, on voit bien qu'on a à travailler à... Enfin, ça dit beaucoup de choses, en réalité, sur une démarche qui est très volontariste portée par la collectivité. Et puis, concrètement, dans sa mise en œuvre, on a quand même énormément de freins et énormément de préjugés et de craintes à lever avant de travailler de manière concrète. Je voulais du coup détailler de manière un peu, rentrer un peu dans le détail des choix qu'on a fait pour cette première année. Donc initialement, notre engagement de mandat, il était sur la budgétisation sensible au genre à la ville de Nantes. On a choisi de l'élargir donc à la métropole et on a choisi également de l'élargir au CCAS. C'est important pour nous d'avoir cette étude-là finalement à 360 sur l'ensemble des leviers et de pouvoir y travailler, y compris avec la métropole, puisqu'on voit bien que sur des questions lourdes et structurantes d'urbanisme, de transport, pour ne prendre que ça, on est sur des compétences métropolitaines. Et donc, y compris quand on porte l'ambition à la ville de Nantes d'être une ville non sexiste, de travailler vraiment sur des modifications structurelles de notre territoire, on a besoin d'embarquer la métropole et puis d'avoir ce travail vraiment conjoint. Donc, c'était important pour nous de pouvoir travailler sur ces trois entités. On a fait le choix de ne pas travailler sur l'ensemble du périmètre du budget, là aussi pour des questions honnêtement de réalisme. On essaie d'avoir une approche humble et vraiment de finalement maîtriser la méthodologie, puis d'aller la déployer année après année avec des nouveaux objets de travail restreints dans les directions ciblées. L'idée, c'est bien de toucher d'ici la fin du mandat le maximum de directions thématiques, évidemment. Je pense qu'on n'arrivera pas à l'ensemble en commençant à mi-mandat, mais d'essayer de toucher largement pour que cette sensibilité puisse se diffuser dans l'ensemble de nos directions. Pour cette première année, donc, on s'est arrêté vraiment sur le volontarisme des directions. On a un certain nombre de directions qui étaient intéressées, mais pas forcément pour la première année. Là aussi, un certain nombre de craintes, je pense, de pouvoir être dans les premiers à mener cette analyse. Donc, au niveau de la ville, on a deux objets plutôt culturels. Le conservatoire de musique, ce qui nous paraît particulièrement intéressant puisqu'on est là au croisement d'un espace d'éducation, de loisirs dédié aux enfants et un espace de professionnalisation dans un milieu qui est extrêmement inégalitaire professionnellement hein, puisqu'aujourd'hui, on est à 4% de chefs d'orchestre, par exemple, et 1% de compositrices en France. On voit bien là qu'on a des leviers, y compris dans l'utilisation loisirs. Il y a des différences très importante entre les pratiques des femmes et des hommes, enfin des filles et des garçons, et donc ça nous paraissait particulièrement intéressant. On a également un festival, le festival des scènes vagabondes, c'est un festival d'art au sens très large qui est porté par la ville, sur lequel on a une attention à la parité depuis plusieurs années, mais on a envie d'aller plus loin, et donc les agences se sont portées volontaires pour pouvoir avoir cette étude à l'aune du budget sensible au genre. Et puis un pôle un peu large sur le soutien aux initiatives, dans lequel on a le budget participatif et les lieux à réinventer, qui est un format, je dirais, territorialisé des budgets participatifs avec des friches, etc., qu'on a mis à concertation à des habitants. Que de prime abord, il nous semble apercevoir que les femmes déposent moins de projets, qu'ils sont parfois d'utilité moins grand public. Et qu'elle demande moins d'argent, ce qui fait un total d'auto-censure assez inquiétant. Donc, on a envie d'aller regarder ça de plus près, de voir si ce pressenti trouve confirmé. Et puis, un dispositif de soutien à l'émergence de projets. Et là, on a une émergence de réflexion sur l'éga-conditionnalité qu'on pourrait déployer ensuite à l'ensemble, par exemple, des budgets de soutien à la vie associative. On va aller regarder là qui sont les membres du CA des associations, qui sont les usagers, qui sont les bénéficiaires des actions. On peut regarder un certain nombre de choses. Là, on est vraiment sur un petit dispositif avec 5 000 euros maximum de soutien. Donc, c'est quelque chose d'assez marginal à l'échelle de la ville, mais sur lequel on va pouvoir aller tester des choses. Je vois que j'arrive à la fin. Alors, je me dépêche. Sur la métropole, deux objets d'urbanisme, un dispositif qui s'appelle Place et Placette, où on va rénover des places dans 5 villes de la métropole. On a décidé de regarder vraiment l'ensemble de ces projets sous ce prisme. Et puis, la création d'un grand parc métropolitain. Donc là, on a envie vraiment d'aller sur un objet urbanisme, là aussi, et forme de la ville.
L'idée, c'est de prendre 3 nouveaux objets par an. On a fléché que certainement l'année prochaine ou l'année, certainement l'année prochaine, mais peut-être si c'est trop compliqué l'année d'après, on va aller étudier un volet investissement avec notre PPI sportive. Donc l'ensemble là des projets qui sont aussi ambitieux sur le mandat sous ce prisme. Ça nous semble vraiment être important pour travailler le sport et pour travailler cette question des investissements. Et puis l'inclusion du CCAS dans la démarche dès l'an prochain. On a un dispositif d'accès aux loisirs et au sport pour les familles aux revenus très modestes. Et là aussi, on sait qu'on a de vraies inégalités dans les familles qui sont touchées et avec notamment, on le sait, une part de familles monoparentales qu'on n'arrive pas à toucher. Donc, on a envie d'aller regarder ça de plus près. Voilà, et juste pour terminer, vous aviez demandé aussi voilà, comment on collectait des statistiques ventilées. Nous, c'est quelque chose qu'on essaie de systématiser dans l'ensemble de nos analyses et des statistiques qu'on mène, mais ce n'est pas encore effectif à 100%. Typiquement, l'an dernier, sur notre analyse des besoins sociaux, on a eu un travail sur la précarité et sur lequel on n'a par exemple pas eu de statistiques ventilées sur les familles monoparentales ou les seniors, alors même qu'on sait qu'on a là un public particulièrement féminin et aussi qu'il existe de grandes différences entre les femmes et les hommes et leurs revenus, leur niveau de vie dans ces catégories. Donc, c'est vraiment des choses qu'on flèche pour améliorer ce travail. Je vous remercie, je suis désolée d'avoir Merci beaucoup, Madame Berthuet. Je vais maintenant laisser la parole aux représentantes de la ville de Paris, lesquelles présenteront une intervention à 4 voix, mais je vous demanderai tout de même de respecter les 10 minutes, la dizaine de minutes de présentation. Alors, nous aurons Monsieur Nathan Morin, adjoint à la chef du service de la synthèse budgétaire, Madame Alice Constant, adjointe à la chef du pôle budget localisé et budget participatif, Monsieur Tom Perrault, analyste sectoriel, et Madame Christine Guillemot, chargée de projet égalité femmes-hommes. Je vous laisse la parole. Pour 10 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Oui, parfait, merci. D'abord, je souhaitais évidemment vous remercier pour cette invitation à ce panel. C'est vrai que nous connaissions certaines collectivités, on avait pu échanger avec Strasbourg. Il y a un réseau qui s'est constitué et auquel on participe. C'est une démarche qui est assez ancienne à la ville de Paris. Elle a été lancée par un vœu de l'exécutif en 2016. Elle est portée notamment au sein de la ville, et on les excuse aussi, par Paul Simondon, adjoint aux finances, et Hélène Bida, adjointe à l'égalité femmes-hommes. Donc, on est 4 parce qu'en fait, on représente l'équipe projet au sein de la ville de Paris. Le projet de budgétisation sensible au genre, c'est la terminologie qu'on a choisi de prendre, associe en fait étroitement la direction des finances, donc que nous représentons tous les 3, et la DDCT, donc qui comprend le service d'égalité, intégration, inclusion, qui est représenté par Christine Guillemot, qui interviendra aussi. Donc, au sein de la ville de Paris, pour l'historique, effectivement, le projet a débuté en 2016 et il a connu un coup d'accélération en 2020 parce qu'il a fait l'objet d'une meilleure appropriation par la direction des finances. Donc, c'est un duo très étroit. Aujourd'hui, c'est ça qui a vraiment permis à la VSG d'émerger. Alors, je ne sais pas si c'est aussi une leçon pour la mise en œuvre du budget intégrant l'égalité pour l'État, mais c'est en tout cas un des facteurs de réussite pour la ville de Paris. La terminologie qu'on a choisi d'utiliser, c'est celle de budgétisation sensible au genre. C'est celle qui semble aussi être partagée par le panel. Alors, ce choix de budgétisation sensible au genre, il s'explique en fait par plusieurs raisons. La première, c'était d'expliquer que c'était pas que le budget sensible au genre n'était pas un document spécifique, pas un document distinct du budget, mais visait bien à s'inscrire dans le budget et dans le cycle budgétaire annuel. Et puis, c'est aussi une dimension d'action, budgétisation sensible au genre. Ça signifie que dans l'ensemble des dépenses de la ville qui ont un impact sur le genre, on va prendre cette clé de lecture. Donc, c'est une manière renouvelée de faire du budget pour la direction des finances. Et c'est une manière renouvelée de faire de la politique égalité en ayant cette approche intégrée, le gender mainstreaming. Je pense que dans le cadre des travaux de la mission d'information, vous avez eu l'occasion de connaître cette terminologie-là. D'étendre la clé de lecture genre à l'ensemble des dépenses de la ville. Donc, c'est une démarche qui a d'abord été expérimentale avec 6 directions pilotes sur des sujets variés, la voirie, l'espace public, la culture, la petite enfance, dans l'idée qu'on puisse identifier en fait au sein de ces directions les dépenses qui pouvaient avoir un impact sur le genre. On a lancé en particulier 2 chantiers dans le cadre de cette budgétisation sensible au genre.
celui de la tricatégorisation. Donc, c'est similaire à ce que Mme Enoch présentait au début de la présentation, à savoir identifier dans le cadre des dépenses de la ville celles qui sont des dépenses genrables, celles qui sont des dépenses neutres et celles qui sont des dépenses genrées, ou plutôt qu'on pourrait appeler aussi volontaristes. Et une fois qu'on s'est donné de la visibilité sur ces dépenses, identifier ce que la ville fait pour rattraper et corriger les inégalités manifestes. Nous, au sein de la ville de Paris, on a développé quelque chose qui est assez innovant et qu'on n'a pas vu par ailleurs, à ma connaissance, c'est le marqueur genre. Ça consiste à noter les dépenses de la ville, les dépenses genrables qui ont un impact sur le genre, en fonction du degré d'investissement des directions. Alors, la budgétisation sensible au genre, ça ne veut pas dire qu'on va identifier que telle part de dépenses part aux femmes, que telle part de dépenses part aux hommes. Ce serait impraticable et impossible à mettre en œuvre côté direction des finances. Et effectivement, notre valeur ajoutée, la valeur ajoutée de la direction des finances, ça a été de calibrer le dispositif en considérant que la budgétisation sensible au genre, c'est d'identifier la qualité de l'action de la ville dans les dépenses qui sont mises en œuvre. Je laisse la parole à Christine Guillemot. J'espère que ça fonctionne bien, parce que ce projet de budgétisation sensible au genre s'inscrit aussi dans la mise en œuvre du plan égalité exigé de la part des collectivités et qui est suivi plus particulièrement par la DDCT au sein de la ville de Paris. Je ne vois plus Madame Guillemot. Christine, est-ce que tu nous entends ? Ouais, Madame Guillemot qui revient. Ça ne marche pas. Ça n'a pas l'air de marcher. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Vous m'entendez ? Bon, simplement pour moi, c'est un peu fragile ici, ma connexion, donc je suis désolée, ça ne marche pas très bien. Je voulais juste ajouter la précision par rapport à ce qu'Anatan vient de dire, que nous travaillons depuis de nombreuses années sur cette approche intégrée de l'égalité femmes-hommes à la ville de Paris, que nous avons déjà fait plusieurs fois des plans d'égalité, ce que nous en avons voté un au Conseil de Paris du mois de décembre, octobre, novembre, décembre 2022, que ce plan est en cours d'exécution et que c'est un outil important pour appuyer la démarche de budget sensible aux gens qui n'est pas hors sol, qui est vraiment intégré dans une démarche globale avec ce plan d'égalité, avec le rapport égalité relatif à la loi de 2014 que nous produisons chaque année depuis maintenant 2017, ça fait un bon moment déjà, que chaque année ce rapport nous l'améliorons avec des données budgétaires et petit à petit se crée au sein des services une culture de l'égalité femmes-hommes qui fait qu'on intègre cette question budgétaire dans le processus de cette fameuse approche intégrée de l'égalité femmes-hommes. Nous travaillons aussi sur la labellisation, le label Alliance, que vous connaissez sûrement, AFNOR. On ne vous entend plus, Madame Guillemot. Et j'ai l'impression que vous ne nous entendez pas non plus. Madame Guillemot, on ne vous entend pas. Est-ce que quelqu'un pourrait mettre un... On n'a pas son... Bon, en attendant, ce que je propose, c'est de reprendre et de poursuivre. Ouais. Donc effectivement, juste, ça fonctionne là, vous m'entendez ? On vous entend bien. Parfait. Simplement pour dire effectivement que le plan égalité s'insère dans la budgétisation sensible au genre, il y a des feuilles de route qui ont été demandées aux directions et qui vont pouvoir nourrir le travail qui est réalisé aussi au sein de la direction des finances dans le cadre du dialogue de gestion. Je souhaitais revenir aussi sur deux chantiers parce qu'en fait, la budgétisation sensible au genre, c'est comme vous voyez une démarche qui est avancée à la ville de Paris, c'est un sujet à tiroir. Donc ça a donné lieu notamment au lancement de deux chantiers, en plus de la tricatégorisation des dépenses et de la mise en place du marqueur genre, à savoir un chantier sur les subventions, avec la mise en place de l'égale conditionnalité des subventions, avec un avancement qui est hétérogène en fonction des directions, mais qu'on suit nous au sein de la direction des finances et en lien avec la DDCT. L'objectif étant de mettre en place des clauses d'égalité dans les subventions, et au stade le plus avancé, dans le cadre des appels à projets, de mettre en place des indicateurs et des critères d'égalité. Ça peut se traduire par quel est le nombre de personnes, de femmes qui sont comprises dans le public, qui portent le projet, et ça nous permet d'identifier ensuite pour la ville de Paris la part de femmes ou d'hommes qui, euh,
qui sont bénéficiaires de subventions et donc d'allocations de la dépense publique. Le deuxième chantier, c'est l'achat public. Donc, ce sont deux chantiers transversaux à la ville. Pour ce qui concerne l'achat public, c'est l'intégration de clauses d'égalité femmes-hommes dans le cadre des marchés. C'est un chantier qui est beaucoup plus difficile à mener parce qu'il est encadré par les normes de la commande publique. Mais c'est un chantier qui est poursuivi. Et dans l'ensemble des marchés où il sera possible de mettre en place une clause d'égalité, la ville de Paris envisage d'en mettre de telles. Et Oui, peut-être pour juste revenir sur ce que Nathan est en train de dire sur les deux chantiers que sont les subventions et les marchés publics. En fait, ça partait d'un constat, donc du constat de la tricatégorisation. Donc, nous, on a la même approche de tricatégorisation que la ville de Lyon, c'est-à-dire qu'on trie les dépenses selon qu'elles sont genrées, genrables ou neutres. Et pour nous, la définition de la catégorie genrable, en fait, c'est de se dire que les dépenses genrables sont des dépenses qui n'ont pas comme premier objectif l'égalité femmes-hommes, mais qui peuvent avoir un impact sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et a fortiori, ce sont les dépenses sur lesquelles on peut agir, avoir un levier en tant que collectivité en matière d'égalité femmes-hommes. Et donc, en fait, une grande partie de nos dépenses genrables, ce sont les dépenses de subvention et les dépenses de marché public, de commandes publiques, de contrats de prestation de services, parce qu'en fait, on part du principe que comme c'est des dépenses d'externalisation de l'action publique, on peut avoir une action sur les structures qu'on subventionne ou auxquelles on participe en leur donnant en fait tout simplement de l'argent. Donc, ce que vient de dire Nathan sur les subventions, c'est qu'en fait, quand on fait des subventions, généralement, on fait des conventions avec les associations qu'on subventionne. Donc, on peut intégrer des clauses d'égalité dans ces conventions. De la même manière, dans les marchés publics, alors c'est un peu plus contraint, évidemment, du fait du droit de la commande publique, mais il y a plusieurs endroits dans les marchés publics où on peut mettre en place soit des critères, quand on veut passer un marché public, soit donc en avance de phase pour le marché public, soit ensuite des clauses dans la rédaction du marché public. Donc, tout ça, en fait, ça part du constat que certaines de nos dépenses peuvent vraiment agir sur l'égalité femmes-hommes, que ce soit dans la structuration des associations ou bien des entreprises auxquelles on donne de l'argent. Donc, tout simplement, dans les bilans sociaux, on peut voir si on a une part de femmes dans les cadres dirigeants, ce type de choses, ou bien dans les actions, activités que mettent en place ces structures-là. Voilà, c'était juste pour préciser sur ce point. Je pense qu'on est arrivé au terme de nos 10 minutes, mais on pourra poursuivre encore l'échange, notamment sur les après. Merci sur les fragilités, les points de force qu'on a pu constater. Merci beaucoup. Et je vais céder la parole maintenant à Madame Geneviève Le Tourneux, conseillère municipale au droit des femmes à la métropole de Rennes, pour une durée de 10 minutes maximum. Merci. Bonjour à chacune et à chacun, vous m'entendez ? Nous vous entendons bien. C'est bon ? Très bien, donc je ne suis pas conseillère à la métropole, je suis conseillère municipale aux droits des femmes et à la lutte contre les discriminations à la ville de Rennes. Moi, pour commencer, je vous remercie de votre invitation. Je ne vous cache pas que j'y réponds avec pas mal d'humilité et après avoir tranché un débat que j'ai eu avec les services qui considéraient que nous n'étions pas suffisamment avancés sur ce chantier, qui a un engagement de mandat et qui recommandait une très grande prudence. Nadège Noisette, l'adjointe aux finances, n'était pas disponible ce matin et j'ai pris l'initiative de répondre à votre invitation parce que je pense qu'il est important que vous vous empariez de ce sujet et puis que d'habitude quand je réponds aux invitations, quand c'est le Centre Hubertine Auclair ou quand c'est Oxfam qui m'interroge, je le fais volontiers.
Pour autant, je ne vous cache pas que je n'aurai pas les slides que la ville de Lyon a présentés et qui me font assez envie. Donc, je vais m'attacher à répondre à votre questionnaire d'une manière un peu longitudinale et avec beaucoup d'humilité. Concernant donc les raisons de l'engagement, nous partageons évidemment, pour nous, c'est un levier. Moi, ça fait partie, le budget sensible au genre, ça fait partie des objets qui sont susceptibles de faire avancer la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, et surtout la question de la mise en mouvement dans la construction de cette égalité réelle, puisqu'en règle générale, on a en face de nous des gens qui sont tout à fait favorables à l'égalité, mais qui pensent que l'égalité se fait seul, alors que c'est un sujet technique, un sujet qui nécessite de s'équiper des lunettes de l'égalité, de débusquer les stéréotypes. Et puis c'est un sujet qui est un peu qui génère des bouleversements chez chacun d'entre nous, puisque ça transforme, ça nous amène à questionner des représentations et à inventer de nouvelles représentations. De la même manière que pour les cours d'école libérer des stéréotypes de genre, c'est un objet qui permet une mise en mouvement des personnels éducatifs, des personnels des jardins, des personnels de la construction des bâtiments publics, de se questionner sur ce que signifie finalement un équipement qui garantisse l'égalité, même processus pour les marches exploratoires de femmes. J'ai pas compté le temps, vous me direz où j'en suis. Sur l'initiative. Ok, donc je poursuis. Sur l'initiative, c'est l'adjointe aux finances qui avait véritablement enclenché cette mise cet objectif d'avoir un budget sensible au genre, de mesurer l'impact de nos politiques publiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une démarche conjointe avec la question de l'empreinte carbone de nos politiques publiques. L'obstacle majeur que l'on peut rencontrer, c'est celui de la neutralité, puisque finalement la neutralité dans l'action publique au quotidien, elle a depuis de longues années, elle est vécue comme la garante de l'égalité. Et du coup, sortir de la neutralité, c'est vraiment un pas de côté dans la manière d'envisager l'action publique. Le deuxième élément, c'est que on a une problématique de sens. Finalement, ce budget sensible au genre, pour moi, c'est l'aboutissement de toute la mise en œuvre du plan d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui se décline dans l'ensemble des politiques publiques. Et donc, c'est finalement un processus d'aboutissement. Sur le rapport sur l'engagement de la collectivité en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un outil que nous utilisons depuis 2015, un outil extrêmement utile, et c'est un autre aspect qui rejoint le budget sensible aux gens, c'est que ce rapport permet d'avoir dans les instances officielles de nos collectivités, les conseils municipaux, les conseils métropolitains, la mise en question de ce sujet qui souvent n'a pas d'existence en propre. Et le budget, c'est de fait une forme de consécration. Et nous, le budget sensible au genre, pour moi, c'est vraiment la déclinaison de la démarche intégrée. C'est finalement les services financiers qui s'emparent de ce sujet. Donc nos rapports sont un point d'appui très important, très utile, mais ils ont une démarche très littéraire, très descriptive, et puis il nous manque l'approche longitudinale, la mesure, la dimension de tableau de bord que le budget sensible au genre pourrait nous apporter. Par rapport à la dénomination, on préfère bien évidemment le budget sensible au genre. Je crois qu'il y a des vrais risques de malentendus autour de la question du
non-genrés, dégenrés, genrés. Il y a aussi, je pense que, moi je me questionne sur est-ce qu'il faut parler de budget sensible au genre ou est-ce qu'il ne faudrait pas passer au peigne fin plutôt finalement ce qui a été réalisé et s'attaquer finalement au compte administratif. Qu'avons-nous fait puisqu'on n'est pas dans le budget, on est dans une projection. Comment on a procédé? Pas d'assistance externe. Une lettre, la lettre de cadrage de l'adjointe aux finances avec un repli sur la demande d'indicateurs, demande pour chaque service, d'indicateurs que chaque service serait susceptible de proposer. On voit que cette démarche, elle n'est pas suffisante. Il ne suffit pas, quand bien même on a de nombreux services, notamment la direction de la culture qui est très avancée en la matière. On a beaucoup d'indicateurs de sexués. Néanmoins, ces indicateurs ne sont pas transformés avec la règle de 3 pour savoir l'impact que ça a en matière de budget. Et puis, sur la question des indicateurs, je crois qu'il y a un peu de frilosité de la part des services, et c'est ça qu'il nous faut questionner aujourd'hui. C'est un indicateur, il est construit, il ne se décrète pas, il y a tout un travail, et un des freins, je crois, c'est la masse de travail que cela peut représenter. En tout cas, on est aujourd'hui là à une phase un peu, pas de point mort, mais en tout cas, on a un obstacle à lever. Sur la formation, oui, bien évidemment, il y a des formations, mais dans un cadre beaucoup plus général. Dans le cadre de la politique d'égalité de notre responsabilité employeur, donc des formations systématiques de l'ensemble des services sur les violences sexistes et sexuelles et sur l'égalité dans le cadre du plan d'action d'égalité professionnelle. Certains services se sont aussi emparés de formations internes, hein, c'est le cas du service des sports, c'est le cas du service de la petite enfance, c'est le cas du service des jardins, service de la culture. Disposez-vous déjà de l'ensemble des statistiques nécessaires? Je ne pense pas. Je ne le crois pas. Sur la commande publique, alors, c'est le budget sensible au genre, c'est un élément d'une politique qui est beaucoup plus globale et qui va se décliner. C'est effectivement donc la responsabilité employeur, l'égalité professionnelle, c'est le chantier de l'EGA éco-responsabilité, notamment avec un travail dans le cadre du partenariat rennais avec le monde associatif. Nous avons travaillé à une charte des engagements réciproques où il y a un volet égalité et nous travaillons avec les associations pour les équiper d'outils d'auto-diagnostic, pour les accompagner dans l'élaboration de leur plan d'action d'égalité entre les femmes et les hommes. Et nous les accompagnons aussi à travers un programme de formation. L'enjeu, parce que autour de ces indicateurs, la problématique, c'est de mesurer, bien évidemment, c'est un enjeu parce que ça légitime le sujet, mais derrière, il faut qu'on fasse attention parce qu'on est dans des processus de transformation sociale en profondeur. Et finalement, la mesure, elle est à la fois ce qui permet de donner à voir, elle est aussi ce qui permet de corriger, bien évidemment, mais on sait qu'en matière d'égalité, il faut plus que la mesure. La parité, la mixité ne garantissent pas l'égalité. Et donc, il faut qu'on fasse attention. Et c'est ce qu'on, par exemple, dans le travail avec le monde associatif, avec les différents services, c'est bien l'accompagnement dans ce processus de transformation des représentations, des modes de faire et le questionnement des manières de faire que nous essayons d'accompagner. Et puis, le chantier de budget sensible au genre, c'est aussi trouver un petit peu
peut-être mis en décalage, on a été un peu confronté à la question, on a évalué l'ensemble, on a mené une évaluation à 360 degrés de notre politique d'égalité, qui est une politique très ancienne à Rennes. Et l'objectif, c'est de réactualiser notre plan d'action. Et c'est vrai qu'on mise beaucoup là-dessus, puisqu'on a identifié différentes directions et pour nous aussi l'aboutissement de la mise en mouvement, de la transformation dans chacun de ces services. Merci beaucoup, Madame Le Tourneux. Et je vais céder maintenant la parole à notre dernière intervenante, Madame Sophie Claire, coordinatrice de la mission Droits des femmes et égalité de genre de la ville de Strasbourg, pour une durée de 2 minutes également. Merci beaucoup. Non, c'est parce qu'il y a une présentation. Voilà. Par contre, est-ce qu'on récupère... Est-ce que vous... Alors, tout le monde voit la présentation. Mais nous entendons. Par contre, on n'entend pas Madame Claire. Madame Claire, nous ne... Oui, bonjour, excusez-moi. Ah, c'est bon. On vous entend. La parole est à vous. Donc, vous voyez bien le PowerPoint, j'en suis ravie. Donc, tout d'abord, moi, en effet, Sophie Claire, je suis chargée de mission droits des femmes à la ville de Strasbourg. Donc, je tiens à excuser Madame Christelle Vider, adjointe en charge de l'égalité femmes-hommes, qui enseigne ce matin au collège. Puis également mon collègue Claude Mamosser, directeur adjoint en charge des finances, qui ne pouvait pas être à mes côtés. Donc, pour rappeler vraiment que cette démarche de budgétisation sensible au genre, elle est vraiment copilotée par la mission droits des femmes, ainsi que la direction des finances publiques. Puis je vous remercie également pour cette invitation. Là, on est ravis de pouvoir contribuer aux réflexions en matière de budgétisation sensible au genre. Alors, tout d'abord, quelles ont été les raisons qui ont amené la collectivité à expérimenter la budgétisation sensible au genre? Donc, déjà, c'est une priorité du troisième plan d'action municipal en faveur des droits des femmes, donc un plan d'action qui a été adopté en janvier 2022. Donc, un vœu très fort aussi de l'exécutif de pouvoir expérimenter cet outil. L'autre raison, c'est qu'on partage un postulat, je pense qu'il est partagé par tout le monde aujourd'hui, c'est que les inégalités structurelles entre les femmes et les hommes perdurent et on constate qu'aujourd'hui, elles sont plus ou moins reconnues et prises en compte dans la fabrique des politiques publiques. L'autre élément également qui nous a amené à nous engager dans cette démarche, c'est ce souci d'avoir des politiques publiques et de l'argent public qui minimalement ne va pas nuire à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et de façon, on va dire, plus proactive, on souhaitait vraiment avoir la BSG comme un outil qui nous accompagne à la fois dans l'aide à la décision, donc à la fois sous le prisme de la justice sociale, mais également de la justice fiscale, mais aussi un outil d'aide à l'évaluation. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est vraiment un outil très puissant d'évaluation des politiques publiques. Et enfin, un autre élément qui est davantage conjoncturel, c'est qu'aujourd'hui, la BSG, pour nous, est un outil très efficace aussi dans le contexte de réduction des budgets, donc notamment avec la hausse des dépenses d'énergie. Et ça permet d'avoir une réflexion vraiment très globale à 360 degrés de l'impact de ces réductions et d'aller avec cet outil vérifier qu'on ne vient pas nuire à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, on pourra peut-être rentrer dans des exemples un petit peu plus tard, mais je pense notamment à l'éclairage public. Donc, on a eu un débat notamment à l'interne sur comment est-ce qu'on trouve un équilibre entre la réduction de l'éclairage public versus le besoin de sécurité aussi des femmes quand elles se déplacent dans l'espace public. Donc, nous, à la collectivité, à la ville de Strasbourg, on s'est fait aider par une assistance à maîtrise d'ouvrage avec notamment les agences Perfégal et Lettres Égales, je pense qu'ils ont une expertise reconnue aujourd'hui sur le sujet. Donc, on a fait le choix vraiment de pouvoir opérationnaliser la démarche BSG au sein de deux directions pilotes, donc la direction des sports et la direction de la participation citoyenne. Pourquoi ces deux directions? Parce que du côté de la direction des sports, on avait déjà une culture de l'égalité relativement bien ancrée
dans les précédents plans d'action municipaux, c'était vraiment une direction qui était déjà très active et qui menait beaucoup d'actions volontaristes en matière d'égalité femmes-hommes. L'autre raison de travailler avec cette direction, c'était qu'on avait aussi la chance d'avoir déjà des données sexo-spécifiques assez importantes. Donc, au moins, ça facilitait le travail d'expérimentation. En ce qui concerne la participation citoyenne, alors là, la décision était associée à la création d'une nouvelle instance au sein de la collectivité qui est le budget local Parlons-en et qui vise à assurer une montée en compétences des citoyens et des citoyennes sur comment est-ce qu'on construit aujourd'hui un budget public. Donc, on a eu l'occasion voilà, d'évoquer cette BSG dans le cadre de cette instance et donc l'intention est remontée des citoyens et des citoyennes de pouvoir s'approprier cet outil. Donc, avec cette assistance à maîtrise d'ouvrage, on a souhaité travailler vraiment sur deux axes. Donc, une formation, avoir vraiment un socle de connaissances communes concernant les enjeux d'égalité femmes-hommes, donc pour les deux directions ciblées. Et ensuite, on a eu une démarche d'accompagnement, donc vraiment durant une année, donc de l'automne 2021 à l'automne 2022, on s'est rencontrés donc à plusieurs reprises avec les consultants pour tester très concrètement les outils de la budgétisation sensible au genre. Donc, on a été donc, au sein de la collectivité de Strasbourg donc, dans une volonté vraiment de monter en compétences des services. Un des éléments aussi qui était particulier à cette démarche d'accompagnement, c'est qu'on a fait le choix vraiment de réunir au sein d'un même groupe qui a été formé donc, à la fois des chefs de service, des encadrants, des responsables financiers, des comptables, mais également des chargés de mission. Donc, c'est ce qui a fait aussi la force, selon nous, de la démarche. On avait vraiment différents métiers réunis autour d'un objectif commun. Et puis, on est vraiment allé construire, finalement, co-construire avec les consultantes des outils qui nous permettaient d'avoir une démarche d'expérimentation de la budgétisation sensible aux gens très, très concrète, très opérationnelle. Alors, notre terrain de jeu, on va l'appeler comme ça, ça a été donc d'une part l'analyse des dépenses de fonctionnement et d'investissement donc du budget primitif 2022 de la direction des sports. On a mis notamment donc, le focus sur les subventions, sur la bourse d'aide à la licence sportive. Donc, il y a un dispositif qui vise à soutenir l'accès des Strasbourgeois et des Strasbourgeoises de moins de 18 ans à la pratique sportive. Et également un projet d'aménagement urbain sportif qui est la zone de culture urbaine. On a travaillé également à l'analyse du budget participatif, donc sa première saison. Là, ce qui était intéressant, c'était qu'on était sur une enveloppe en investissement. Et puis enfin, on a parallèlement été en mesure, avec cette démarche de formation accompagnement, de faire un premier travail de tagage, en tout cas de catégorisation, de l'ensemble des dépenses de fonctionnement et d'investissement du budget de la ville de Strasbourg. Alors, concrètement, en termes de méthode, donc je ne vais pas m'arrêter à chaque étape, mais on a vraiment donc suivi alors j'appelle ça le voyage de la BSG. Donc, 5 grandes étapes qu'on a menées sur ce terrain de jeu que j'ai défini préalablement. Donc, la catégorisation, donc je ne vais pas revenir, ça a déjà été largement mentionné, mais donc on a utilisé cette démarche d'analyse tricatégorielle. Donc, on a classé donc l'ensemble des dépenses de la direction des sports. Donc, en 0, en 1 et en 2. Et une fois qu'on a fait ce premier travail, on a décidé, alors je ne vais pas revenir sur les chiffres, on y reviendra plus tard si besoin. Une fois qu'on a fait ce travail de catégorisation, on a fait le choix donc, de s'arrêter sur deux dispositifs, donc la bourse d'aide à la licence sportive et le budget participatif. Et pour chacun de ces dispositifs, on s'est questionné sur les intentions. Est-ce que l'égalité femmes-hommes aujourd'hui dans ces deux dispositifs est un axe prioritaire ou en tout cas un objectif de l'opération? Alors, force était de constater que non, en tout cas, ce n'était pas clairement nommé. Et ensuite, on s'est questionné sur les enjeux de genre sous-jacents à ces deux dispositifs. Et ici, un outil qui a été très aidant pour nous, c'est les classificateurs, parce qu'on a pu se questionner collectivement sur voilà, quel était l'impact en termes de mixité, en termes d'égalité professionnelle, etc., etc. Donc, un outil très intéressant aussi pour faire ce travail d'analyse. Dans un troisième temps, on a dû aller chercher des données, donc des données sexo-spécifiques. Donc, quelles étaient les données qualitatives et quantitatives qui nous permettaient finalement
de pouvoir évaluer justement les enjeux de genre qui avaient été pressentis et identifiés préalablement. Et puis, on a pu aussi se questionner sur les données additionnelles à collecter pour pouvoir affiner notre analyse. Et puis ensuite, on a arrivé au sacro-saint, j'ai envie de dire, indicateur, pour pouvoir aussi évaluer la marge d'amélioration aussi, pour pouvoir réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, et surtout pour pouvoir se donner des outils qui nous permettent de passer de l'intention à l'action. Alors, d'un point de vue des apprentissages, donc différents éléments, donc au bout de cette année, ce qu'on a constaté, c'est que finalement, les inégalités structurelles entre les femmes et les hommes, si elles ne sont pas connues ou reconnues dans l'élaboration des politiques publiques, elles vont se perpétuer. Alors, elles ne vont pas forcément s'aggraver, mais en tout cas, elles se perpétuent en bout de course. Alors, si je prends l'exemple de la bourse d'aide à la licence sportive, très rapidement, donc ce qu'on a constaté, c'est que c'était très majoritairement les garçons qui étaient bénéficiaires de ce dispositif. Et ensuite, on a pu un petit peu affiner cette analyse. Donc, on a pu également constater que on a une tranche d'âge finalement qui est largement bénéficiaire de cette bourse, donc les 7-11 ans. Et surtout, on est venu aussi confirmer un pressenti qui était que malheureusement, on perd les jeunes adolescentes dans la pratique sportive. Donc ça, c'était vraiment intéressant parce qu'on a pu en effet confirmer une intuition. La question ensuite de la mixité sportive et des enjeux de mixité sportive est apparue très clairement aussi dans l'analyse des données. Et puis, on a pu aussi aller un petit peu plus loin. Donc, au-delà de la répartition filles-garçons dans ce dispositif, on a pu vraiment avoir aussi une réflexion sur les dépenses qui sont faites au profit des filles et des garçons dans le cadre de ce projet. Un autre apprentissage, ben je pense qu'on l'a déjà évoqué, hein, c'est que c'est vraiment, alors moi j'aime bien utiliser cette phrase, ne rien présumer, ne rien supposer, mais se donner les moyens de savoir. Donc la force de donner un sexo spécifique pour pouvoir mener à bien cette expérimentation. Et plus généralement, donc, comment est-ce que ces données sexuées, elles sont essentielles dans la fabrique des politiques publiques, à la fois pour mener un diagnostic, mais ensuite pour pouvoir en faire le suivi et ensuite l'évaluation. Alors, très concrètement, il vous reste quelques secondes, Madame Claire. Oui, je vais aller très, très vite. Donc, très concrètement, je voulais juste vous expliquer que suite à cette démarche d'expérimentation, on a déjà eu un certain nombre d'ajustements qui ont été proposés et mis en œuvre. Donc, par exemple, dans le cadre du sport, on a la mise en place d'un label égalité de genre qui est en cours d'élaboration. Donc, l'idée étant de pouvoir valoriser les clubs qui mènent des actions en faveur de l'égalité femmes-hommes. Concernant le budget participatif, une réflexion a été menée donc afin de pouvoir communiquer plus clairement sur le souhait de pouvoir encourager la participation des femmes à ce programme. Et puis enfin, dans le champ des finances publiques, on a eu la création d'un référentiel spécifique pour faciliter le travail de catégorisation des responsables financiers. Au niveau des réussites limites, peut-être que je vais laisser le temps de les questions pour approfondir. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour cette présentation très détaillée. Merci beaucoup à toutes et à tous pour vos présentations et vos interventions, alors qui suscitent un certain nombre de questions de notre côté. Je vais tout de suite céder la parole à nos deux rapporteurs, Céline Calvez puis Sandrine Josso, dans cet ordre-là, si ça vous va. Céline puis Sandrine. Merci, Monsieur le Président. Je tenais vraiment à vous remercier parce que vous avez pu répondre à nos attentes en termes d'illustration. Bien sûr, dans un temps limité, on en convient. Mais j'ai surtout remarqué qu'il y avait beaucoup d'applications sur la culture et le sport. Alors, je suis membre de la délégation droits des femmes, mais aussi à la commission des affaires culturelles et à l'éducation, et qui s'occupe également du sport, donc j'ai été d'autant plus attentive. J'avais trois questions. La première, c'est de vous donner l'occasion de revenir sur l'article 61 de la loi du 4 août 2014, qui amène les collectivités ou les EPCI à présenter un rapport sur la situation en matière d'égalité. Geneviève Letourneux de Rennes vous en avait parlé, mais je voulais donner l'occasion aussi aux autres de revenir sur ce sujet, de voir comment il avait été utile, pertinent, comment il est perfectible, ce rapport. Est-ce que ça a constitué un tremplin vers votre démarche? Ce sera ma première question. La deuxième question concerne la disposition des données. Est-ce que, en tant que collectivité, vous avez eu facilement,
ou de manière à améliorer aux données nationales quand elles sont sexuées. Est-ce que le recoupement de ces données vous pourrait, à votre avis, être facilité? Et enfin, beaucoup d'entre vous, c'est peut-être à l'état de chantier, pour reprendre les mots de la ville de Paris, sur les marchés publics. La commande publique constitue forcément beaucoup de sources de dépenses. Est-ce que vous auriez des suggestions pour améliorer le cadre des marchés publics au regard de la budgétisation sensible au genre? Est-ce que vous vous êtes heurté sur le cadre national, voire européen, qui commande les marchés publics et qu'on devrait pouvoir lever pour faciliter l'exercice de votre démarche de budgétisation sensible au genre? Voici ces trois questions, j'en aurai beaucoup d'autres, mais déjà à ce sujet, ça me paraît intéressant de prolonger les discussions. Je vous remercie. Madame Josseau. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, j'avais une première question justement sur le plan égalité. Est-ce qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles il y a énormément d'objections? Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire ce qui revient un peu trop souvent, si c'est le cas? Et autrement, sur la clause d'égalité dans les subventions, la personne qui en a parlé nous a juste cité cela, mais j'aimerais peut-être un petit peu plus, s'il vous plaît, que vous puissiez nous donner quelques points qui vous ont semblé importants pour mettre en place cette clause. Et sur le label égalité de genre, alors qu'en est-il? Est-ce qu'on peut avoir peut-être quelques informations supplémentaires, et comment on peut encourager la mise en place de ce label de manière un petit peu plus large? Merci beaucoup, mesdames les rapporteurs. Alors, j'ai vu une main qui se levait, madame Guimau. Oui, et j'espère que ça va marcher. Voilà, j'espère que ça va marcher. Est-ce que vous m'entendez? Bon, j'ai un petit peu des problèmes techniques aujourd'hui, semble-t-il. Sur la question de l'article 1, de l'article 61 de la loi du 4 août, pour nous, ce rapport égalité femmes-hommes, on le produit chaque année depuis 2017, et oui, c'est un tremplin très intéressant pour partir sur la budgétisation sensible aux genres. Parce que depuis qu'on le fait, ce rapport, chaque année, on essaye d'obtenir des directions opérationnelles, des informations complémentaires concernant les budgets. Et petit à petit, on arrive comme ça à collecter des informations budgétaires, et je crois que ça ne marche plus. Si, ça marche. Ça marche. Donc, on arrive comme ça à collecter des informations budgétaires déjà sur les actions spécifiques destinées aux femmes ou au rattrapage des inégalités, et petit à petit d'entrer avec nos correspondants égalité femmes-hommes qui sont présents dans toutes les directions de la ville. Hein. C'est un réseau qui est en place, qu'on forme chaque année, sur lequel on s'appuie avec beaucoup de détermination, pour arriver à faire remonter des données financières liées à des données statistiques. Et ce rapport égalité, c'est un formidable tremplin pour avancer dans la démarche. Le deuxième ressort, levier, c'est le plan d'égalité. Vous en avez parlé tout à l'heure. Ce plan, et Madame Letourneux l'a dit aussi, et je renforce cette idée, le plan d'égalité donne une assise de la légitimité. Nous, c'est un travail qu'on fait depuis assez longtemps, de travailler sur cette notion de culture de l'égalité. C'est-à-dire qu'on veut en faire une approche globale, l'intégration, approche mainstreaming, comme on dit, approche intégrée du genre. Le BSG vient rajouter un levier et un puissant outil pour progresser sur cette base, mais tout ça sur un terreau qu'on a fertilisé depuis des années, qui est lié au plan d'égalité, lié au rapport égalité, lié à la création de ce réseau des référents et à un COSTRAT, hein, puisqu'on a mis en place un comité stratégique qui rappelle tout le temps, enfin le plus possible, deux fois par an, l'existence du plan et les avancées. Sur les données, c'est la deuxième question que vous avez posée. Je veux juste préciser, on essaye de collecter des données, ce n'est pas facile. Les données nationales nous sont utiles, ça nous constitue une sorte de base d'analyse. Madame Guimau, vous êtes de nouveau perdue. Indicateurs et d'informations. C'est bon.
dont on peut se servir pour rechercher les informations à l'échelle locale sur ces mêmes constats qui sont faits à l'échelle nationale, parce que globalement, il n'y a pas tellement de différence. Et on a pu cette année, de l'Union parisienne d'urbanisme, allô, vous m'entendez ? Nous avons pu commander cette année une étude. Vous m'entendez ? Oui, oui. Est-ce que ça marche ? Nous avons pu commander une étude sur les inégalités entre les femmes et les hommes à Paris. Enfin, dans la ville, pour le coup. Hein. Ben, je dis à Paris, ça peut être n'importe où, et vous avez bien compris. Les inégalités femmes-hommes, donc, et la pure, comme ça, a identifié un certain nombre d'indicateurs, un peu ceux qui sont aussi présents à l'échelle nationale, et qu'on reprend à l'échelle locale à travers les données, des données variées, hein, bien sûr les données INSEE du recensement, et les données aussi des directions de la ville de Paris, et des données des services de l'État également à l'échelle de Paris, à l'échelle locale. Et ça, c'est le deuxième point vraiment qui nous semble important. Voilà, sur les clauses égalité, je peux laisser mes collègues répondre, et pour le label aussi. Je vous remercie. Alors, dans quel ordre ? Qui veut répondre en premier ? Soit je reprends l'ordre. Bah, sinon, on peut répondre sur la question en effet des clauses dans les subventions. Sur cette question, en fait, on a demandé à l'ensemble des directions opérationnelles qui sont pourvoyeuses de subventions à la ville de Paris. Donc ça, le compte emploi subvention, ça c'est une bonne partie des dépenses de fonctionnement de la ville de Paris. Et donc on leur a demandé quels étaient les leviers qui pouvaient être activés pour mettre en place cette éga conditionnalité des subventions. Et selon la plupart, les clauses dans les conventions avec les associations, ce serait un bon levier. On avait d'autres leviers qui étaient, par exemple, le fait de renforcer la signature du contrat d'engagement républicain, qui ça est une obligation depuis le 1er janvier 2022, mais dans lequel il y a déjà des clauses sur l'égalité, mais plus sur les questions de non-discrimination au sens large, que vraiment l'égalité entre les femmes et les hommes. Et un autre des leviers, c'est le contrat d'engagement réciproque, qui là est un contrat donc entre la ville, l'État, et ensuite qui est une charte signée par les associations. Mais pour ce qui est vraiment des clauses dans les conventions avec les associations, comme on est libre. C'est une libéralité évidemment de donner des subventions aux associations. On est libre dans notre rédaction aussi des conventions. On a pensé à mettre en place des clauses un peu généralistes qui viendraient rappeler l'engagement de la ville de Paris dans une démarche visant à favoriser l'égalité et donc son souhait d'y faire concourir les associations qu'elle subventionne. Et ça sur deux volets, c'est-à-dire le volet, comme je disais tout à l'heure, le volet à la fois dans l'activité de l'association, c'est-à-dire que l'association peut s'engager à mettre en place des actions destinées à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes, et sur le volet plutôt donc portage de projets. Sur les membres de l'association. Sur les membres de c'est ça. C'est sur l'aspect plutôt. Comment dire, de composition de l'association, dans les personnels, dans les personnes dirigeantes, etc. Donc plutôt sur un aspect social de l'association. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, alors merci. Je crois que Madame Enoch, pour la ville, Madame l'adjointe. Merci. Deux sujets différents. En effet, nous, au début du mandat à Lyon, on a souhaité, enfin, on a réfléchi, est-ce qu'on mettait en place pour l'ensemble des associations la conditionnalité ? Enfin, nous, on parle plutôt d'égas, éco-égas socio-conditionnalité, parce qu'en fait, il y a toutes les dimensions à prendre en compte, hein, également celle, évidemment, de la transition écologique. Et en fait, on trouvait trop difficile de mettre de la conditionnalité financière aux subventions quand nous-mêmes, villes, hein, pour nos services publics, on n'est pas exemplaires et on n'a pas les données. Hein, on l'a largement indiqué depuis tout à l'heure. Et donc, on préfère parler de responsabilité, éco-égas-socio-responsabilité plutôt que conditionnalité pour l'instant. Finalement, c'est aussi au sport, en effet, qu'on a commencé cette démarche.
Et on, voilà, on les incite vraiment à échanger avec nous, tous les clubs sportifs, sur les indicateurs qu'ils mettent en œuvre face aux subventions qu'on peut leur verser. Et justement, ça fait lien avec la commande publique, parce que là, il y a un gros problème, en effet, dans le code des marchés publics, qui fait qu'en fait, en tant qu'acheteur public, on peut regarder uniquement, donner uniquement des caractéristiques à l'objet qu'on va acheter, que ce soit un bien ou une fourniture. Et donc, à la ville de Lyon, pour le coup, on met en place l'égalité femmes-hommes sur ce sur quoi on a la main. Donc, c'est-à-dire que quand on achète des prestations de services, comme des prestations d'hôtes et d'hôtesses, on a écrit noir sur blanc qu'il faut qu'il y ait une parité entre le nombre d'hommes et de femmes qui fait l'accueil. Ou quand on achète une prestation de communication, par exemple une affiche qui va illustrer du monde qui vient pour un festival, voilà, qu'on n'ait pas de stéréotypes genrés sur cette affiche. Mais malheureusement, on ne peut pas aller plus loin, alors qu'en fait, on aimerait pouvoir, au-delà du bien qu'on achète, savoir comment il est produit dans l'entreprise et s'il y a l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise. De la même manière, hein, que ce serait bien aussi de vérifier s'il y a un volontarisme dans l'emploi des personnes handicapées, par exemple, dans l'entreprise, et des conditions humaines dignes. Je pense notamment aux produits qui sont importés. Et ça, on ne peut pas le faire. Donc, c'est vrai que c'est assez paradoxal d'aller demander aux associations à qui on verse des subventions cette conditionnalité. Quand on voit, pour la ville de Lyon, c'est quand même 200 millions d'euros versés par an aux entreprises avec la commande publique, qu'on ne peut pas regarder dans quelles conditions la prestation est rendue ou le produit fourni. Donc, ça, ce serait voilà, une super évolution qu'on puisse aussi évaluer en fait, les entreprises qui sont nos fournisseurs selon une certaine grille de critères, dont l'égalité femmes-hommes au sein de l'entreprise. Merci Madame Ménoc. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Oui, moi je veux bien apporter quelques Madame éléments Claire. Supplémentaires de la ville de Strasbourg. Donc, concernant le rapport égalité, nous, c'est un rapport qu'on produit également depuis plusieurs années. Alors, en termes d'utilité, indéniablement, je pense que ça nous permet vraiment de faire un pas de côté et de regarder ce qu'il en est de l'état d'avancement de nos actions là, qu'on inscrit dans le cadre du plan d'action municipal en faveur des droits des femmes. Comme l'a dit ma collègue de Paris, moi, je trouve que c'est aussi un outil assez puissant qui permet vraiment de rassembler l'ensemble des agents qui sont engagés donc, dans des actions en faveur de l'égalité femmes-hommes. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on développe là, depuis déjà 2 ans, de structurer un réseau de référents égalité qu'on peut notamment former aussi la démarche BSG. Donc, ça permet vraiment de faire rayonner la question de l'approche intégrée de l'égalité plus généralement. Et puis, alors, on n'en voyait pas tout de suite finalement la complémentarité avec la démarche BSG, mais c'est assurément en tout cas un outil remarquable. Je pense qu'on va aller un petit peu plus loin, notamment dans sa rédaction, avec l'identification d'indicateurs un petit peu plus précis qui seront aussi en cohérence et qui feront écho écho aussi aux premiers résultats qu'on a obtenus dans le cadre de la démarche. Concernant la question des données et de la collecte des données, alors nous, c'est sûr que dans le cadre du projet pilote, on est allé chercher des données alors, qui existaient, mais qui ne sont pas forcément utilisées et analysées aujourd'hui par les services, faute de temps, ça c'est sûr, c'est souvent un argument qu'on nous amène, on n'a pas le temps de les analyser et d'en faire un outil de diagnostic et d'évaluation des politiques. Donc, la volonté, en effet, quand même de systématiser cette collecte. Nous, on a la chance d'avoir un service géomatique à la ville aussi qui peut traiter quand même un certain nombre de données auprès duquel on peut passer un certain nombre de commandes. Et puis, on a aussi mis en place plus récemment un observatoire des inégalités dans les quartiers prioritaires de la ville avec une volonté d'avoir autant que possible des données assez précises sur les questions d'inégalité entre les femmes et les hommes. Puis troisième point, donc concernant la question qui a été posée sur le label égalité. Alors, c'est un travail qui est en cours, hein. On s'inscrit dans une démarche participative, c'est une réflexion qui est menée notamment avec les clubs et puis également l'Office des sports de Strasbourg. L'idée, c'est de pouvoir c'est de réduire finalement l'enveloppe du socle d'accompagnement des subventions pour pouvoir ensuite favoriser le financement des labels et valoriser finalement
finalement, en tout cas, revaloriser ces subventions pour les clubs qui mènent des actions spécifiques en faveur de l'égalité femmes-hommes. Donc, très concrètement, la direction des sports a travaillé donc, à une première ébauche d'un questionnaire donc, qui serait adressé aux clubs au moment de faire la demande de subvention, et puis on est sur un système de pointage. Alors, par exemple, dans ce questionnaire, on va avoir des éléments concernant la gouvernance, par exemple. Est-ce qu'on a un effort qui est fait pour avoir une gouvernance qui soit mixte, voire paritaire? La question de la formation également. Est-ce qu'on a une volonté de se former sur la prévention des violences sexuelles et sexistes dans le sport? La question de la communication aussi, est-ce qu'on va avoir un souci d'avoir une communication qui va par exemple favoriser une plus grande mixité dans les pratiques sportives? Voilà, donc c'est quelque chose qui est en cours, mais qui à mon avis en tout cas permettra aussi de faire, on va dire, un éveil des consciences et puis d'avoir aussi, je l'espère, un effet boule de neige. Et puis voilà. J'espère que ça répond à vos questions. Sur la question des achats publics, je ne sais pas. J'irai pas là, mais voilà les éléments que je souhaitais apporter. Merci Madame Claire. Madame Letourneux, la ville de Rennes. Oui, pour répondre aux questions, notamment sur le rapport et la pertinence du rapport, j'avais mis l'accent là-dessus. Ce que nous permet ce rapport sur l'engagement des collectivités, ce rapport annuel, c'est qu'il permet aussi d'avoir une approche très globale et synthétique de l'action, de la politique d'égalité que nous menons, en mettant bien en évidence les trois piliers, le pilier de la responsabilité employeur, le pilier de la diffusion à l'ensemble des politiques publiques et le pilier de la mobilisation de l'ensemble des forces vives du territoire. Et ces trois piliers se complètent quand on pose une thématique dans le cadre du 8 mars. Ça permet d'impliquer une politique publique, et dans cette l'implication de la politique publique, elle est souvent très très corrélée à l'animation que nous avons de la mise en œuvre de l'égalité réelle dans le cadre de notre administration. Ce sont des agents qui sont formés, qui sont dans des dynamiques, qui pratiquent la culture de l'égalité, qui vont finalement, qui sont équipés des lunettes de l'égalité. Il y avait une question sur les objections autour de ce rapport. Je vais faire un témoignage. Le premier rapport, deux objections. Une objection sur l'utilisation de l'écriture égalitaire qui était scandaleuse, qui rendait les choses illisibles. Aujourd'hui, ce sujet ne se pose plus, quand bien même le combat de l'utilisation de l'écriture garantissant l'égalité au sein de notre administration est encore, a encore des progrès immenses à faire. Hein. On a toujours des élus US, mais nous avons obtenu que l'ensemble des productions issues de la mission égalité utilisent l'écriture égalitaire sans qu'on nous en fasse un procès. Deuxième illustration, c'est le sujet du matrimoine. Le matrimoine, c'est finalement la partie comité consultatif qui donne un avis sur la consultation dans le cadre du plan local d'urbanisme qui avait une entrée patrimoine. Donc, on formule un avis et cet avis, eh bien, on en rend compte dans le rapport égalité, procès sur qu'est-ce que c'est que le matrimoine, c'est du verbiage, etc. Une idée qui finalement traversait y compris notre administration, puisque la première rencontre que j'ai pu faire avec ma collègue déléguée au patrimoine, qui est rattachée au service de la culture pour le coup, le service de la culture considérait, l'agente en charge du patrimoine considérait que ce n'était pas un sujet pour elle. Ça, c'était la première rencontre. Depuis, le service de la culture a déployé avec l'ensemble des services culturels un plan d'action de déploiement du matrimoine qui se traduit par des actions d'invitation, mais aussi une autre approche, par exemple des collections du musée des Beaux-Arts.
Sur la commande publique, effectivement, je crois qu'il y a des freins que la collègue de Lyon a mis en évidence. Hein. On ne peut pas être dans une approche d'obligation. Donc, nous, on a essayé de contourner l'obstacle en ayant d'abord, en veillant à la rédaction des cahiers des charges, en soumettant systématiquement les entreprises à un questionnaire sur la base, évidemment, de leur bonne volonté, mais ce n'est pas tout à fait neutre que la collectivité les soumette à ce questionnaire. Donc, ce n'est pas inintéressant. Et ce questionnaire qui, finalement, est une forme, c'est un petit peu le début. En tout cas, on légitime l'importance de la question et on diffuse aussi cette question. Et puis, ça nous permet d'avoir quelques données. Et puis, on a un gros travail aussi de formation des équipes en interne pour que leur regard soit aussi affûté dans l'analyse de la commande publique. En matière d'aménagement, on a aussi eu tout un travail, on travaille sur la question de l'égalité dans l'espace public et la question de l'égalité dans nos aménagements. Et les agents ont fait remonter la nécessité finalement de se sont questionnés quelles sont les questions qu'on doit se poser pour valider que le projet soit porteur d'égalité. Une dernière sur l'éco-égal responsabilité, les clauses d'égalité. Je crois qu'il faut, nous on travaille avec les acteurs. Je pense qu'il faut réfléchir en termes de responsabilité partagée. Je pense que l'idée d'engagement réciproque est importante parce que la limite qui est la nôtre, c'est d'une part la limite de la mesure et puis la limite du contrôle, de l'effectivité de l'engagement. Et donc, je pense que en termes d'efficacité, notre responsabilité, elle est beaucoup plus dans l'animation de cette mise en mouvement des différents acteurs, ça peut être les associations, ça peut être les entreprises, avec l'entrée de la formation et la capacité aussi, équiper finalement chacun et chacune à utiliser les outils qui garantissent l'égalité et convaincre que l'égalité, c'est pas automatique. Merci beaucoup, Madame Letourneux. Est-ce que Madame Berthu, vous avez des réponses, vous voulez apporter des éléments aux questions des rapporteurs ou pas? Je veux bien juste en quelques mots, il y a beaucoup qui a été dit, effectivement. Juste sur la question de l'égale conditionnalité, puisque nous, c'est quelque chose sur lequel on est en train d'essayer de réfléchir. Donc, on n'a pas d'éléments à apporter sur ça, mais par contre, on s'est engagé sur les chartes dégâts événements, donc ça me paraissait intéressant de pouvoir en parler au-delà de l'éco-événement, donc on a un certain nombre de critérisations sur la transition, etc., qu'on peut, sur lesquelles on peut accompagner les acteurs, mais on s'est engagé là à ce que sur tout un fonds qu'on a qui est dédié à l'émergence d'événementiel, on attende des porteurs de projets qu'ils puissent remplir à la fois la charte éco-événement, mais également le volet EGA-événement, où on a notamment un certain nombre d'attentes en termes d'accessibilité universelle, etc., mais sur les questions d'égalité femmes-hommes, des formations, des référents sur les violences sexistes et sexuelles, une attention sur la communication, etc. Et donc, je me dis que c'était aussi intéressant, peut-être en parallèle, on n'est pas là sur les gars conditionnalités sur lesquelles on a envie d'avancer tout en ayant exactement les mêmes limites que vient d'évoquer Geneviève, hein, notamment la question du contrôle et du rapport aux associations que ça impose. Hein. De fait, en étant dans une attente très forte et qui peut les impacter, on a un certain nombre d'acteurs qui peuvent être volontaristes, mais qui ont notamment des questions de conseil d'administration, etc., qui sont très difficiles à bouger selon les secteurs associatifs. Enfin voilà, bon bref, je passe le détail, mais
l'éga conditionnalité qui vient en contrainte, on voit bien que sur un certain nombre de sujets, on est quand même, c'est quand même compliqué à porter. Et donc, du coup, ce volet-là vient, par contre, sur de l'événementiel, être plus facile à déployer et à porter politiquement. Voilà, je me dis que ça, c'était aussi un point qui pouvait être intéressant. Et puis après, sur les questions de rapport, sur l'égalité, ben, je pense que sur les questions notamment... En interne, on a aussi, nous, énormément de... voilà, on essaie de faire bouger les choses dans des directions qui sont très loin d'être paritaires et qui sont très loin de la culture de l'égalité aussi. On a là l'occasion aussi de pouvoir, à un moment, faire un point sur des situations qui sont difficiles, on le sait, malgré le volontarisme de la collectivité. Et puis, j'en profite juste, puisque là, je fais un peu le lien entre les deux, mais sur les questions aussi de budgétisation sensible au genre, on a pointé l'idée de pouvoir travailler dans un an sur l'évaluation des formations. Puisqu'on a de fait un volet formation en interne une collectivité, mais se poser la question de qui utilise quel type de formation et puis quelles sont les suites d'évolution de carrière de celles et ceux qui en profitent, ça nous paraît important. Et donc là, la budgétisation sensible au genre, c'est finalement un levier pour aller creuser cette question de la formation, de notre exemplarité en interne en tant que collectivité. J'en ai pas parlé tout à l'heure et ça me paraissait important de pouvoir le préciser. Alors, Madame Jossot a une dernière question. Merci oui. beaucoup. Merci Berthu. Beaucoup, Monsieur le Président. Donc, c'est très intéressant ce que vous avez dit sur justement cette question des budgets sensibles au genre. Comment cette question-là, finalement, impacte socialement et profondément notre société, quand vraiment on a envie de prendre tout ça en main. Je suis vraiment reconnaissante. Et puis, en même temps, je me dis que voilà, vous avez fait un très bon travail. Donc, c'est pour nous agréable d'entendre tout ce que vous avez réussi à mettre en place et vous encourager à continuer, bien évidemment. Donc, un grand bravo. Et justement, est-ce que vous avez réussi à mesurer les impacts de ce que vous avez mis en place? Certains ont dit tout à l'heure qu'ils ont fait des études, mais moi j'ai envie que vraiment vous puissiez nous dire quels impacts ça a eu. Peut-être parfois il y a des choses que vous aviez anticipées ou d'autres pas, mais les impacts pour nous en tant que législateurs, c'est important. Et si vous voulez bien nous transmettre tout ça, merci. Madame Enoch pour la ville de Lyon. Puis Madame Guillemot. Merci. En fait, c'est difficile à vous répondre parce qu'on voit bien avec tous les témoignages qu'il y a beaucoup d'actions. Moi, je n'ai pas répondu spécifiquement à la ville de Lyon pour le rapport égalité femmes-hommes et beaucoup de choses qui sont mises en place. Certaines actions, ce n'est pas grâce au budget sensible au genre qu'on les met en œuvre, évidemment. Je pense au dispositif, par exemple, appelé Angela, qu'on a déployé dans les commerces pour que les femmes soient à l'aise dans l'espace public. Enfin, il y a plein d'exemples qu'on pourrait prendre qui ne relèvent pas de la budgétisation sensible au genre. Mais ceci dit, comme ça a été largement indiqué, le fait de mettre les lunettes de l'égalité et de voir des équilibres nous permet d'agir plus précisément et après de renforcer l'action pour l'égalité qui sera illustré dans le rapport d'égalité femmes-hommes. Comme par exemple, c'est vraiment grâce à ces BSG, par exemple, qu'on peut se rendre compte plus clairement que les jeunes adolescentes sont moins dans les pratiques sportives que les garçons, par exemple. Et donc là, en effet, il faut agir. Mais tout à l'heure, il y a une collectivité qui disait, nous, on a fait le choix des dépenses sur lesquelles on peut agir. Nous, à la ville de Lyon, on a une vision plus globale. On pense que même sur des politiques publiques sur lesquelles on ne va pas directement agir, enfin, en tout cas des données sur lesquelles on ne va pas directement agir, c'est important aussi pour une question de justice de la dépense publique, de savoir à qui bénéficie l'ensemble de notre dépense publique. Et donc, pour l'instant, on a bien vu qu'on est tous toutes parties plutôt sur des directions volontaires, comme la culture ou le sport,
où on voit de toute façon tout de suite quel est l'enjeu. Enfin, c'est, personne ne viendra dire qu'il ne faut pas qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui fassent du sport ou qui profitent de la culture. Par contre, on aimerait bien ensuite aller sur des sujets un peu plus touchy, comme quand on va, par exemple, partir sur la direction de la sécurité. Enfin, avec ma collègue adjointe à l'égalité, on voulait faire la sécurité tout de suite, mais en fait, c'est eux qui n'étaient vraiment pas prêts. Donc, on s'est dit, on va plutôt expérimenter sur des directions qui vont bien. Et là, quel constat on va faire ? Enfin, si on voit qu'il y a beaucoup d'argent public qui va plus à des hommes, parce qu'en fait, les hommes qui sont plutôt appréhendés par la police municipale, mais c'est pareil au niveau national, ce sont plutôt des hommes. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette analyse-là ? Enfin, voilà, c'est des sujets qui sont très importants et on aura vraiment besoin d'avoir un échange avec la vision nationale, parce qu'on voit qu'on est sur des sujets qui dépassent les compétences des collectivités. Nous, on a fait le choix aussi hein, d'analyser ceux sur quoi on a la main, mais on n'a pas la main sur tout. Par exemple, je prends l'exemple de la petite enfance. À Lyon, on fait le choix, nous, de compter les usagers. Donc, les crèches, il y a normalement autant de petits garçons que de petites filles. Si ce n'était pas le cas, il faudrait agir. mais bon, a priori, on a autant de petits garçons que de petites filles. Après, le fait que la crèche, le fait de pouvoir mettre son enfant en crèche favorise l'emploi des femmes, bon, déjà, ça s'interroge. Hein, pourquoi l'emploi des femmes plus que l'emploi des hommes ? Parce que dans notre culture, quand il n'y a pas de mode de garde, c'est souvent la femme qui sacrifie son activité professionnelle. Mais ça, vous voyez, c'est typiquement un sujet où on n'a pas vraiment la main avec nos compétences municipales. Mais bon, on est prêt à agir si on pouvait agir sur ces questions-là aussi. Donc voilà, c'est des sujets beaucoup plus complexes. Je crois qu'on a quand même avancé avec la bonne volonté d'avoir un outil d'analyse pour pouvoir agir sur ce sur quoi on a un levier. Mais ce serait intéressant, en effet, d'aller plus loin et d'avoir une vision complémentaire entre les politiques qui sont gérées par l'État et par les différents niveaux de collectivité. Merci. Merci beaucoup, Madame Enoch. Alors, j'ai vu Madame Guimau lever la main également. Le micro, il faut qu'elle active son micro. Oui, 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 très bien. C'est pour évoquer la question de la mesure de l'impact, hein, votre question. La mesure de l'impact, c'est une, effectivement, comme Madame l'a dit, Madame Enoch, une question complexe. Pour moi, ça renvoie à deux aspects. Le premier aspect, c'est la question de l'évaluation des politiques publiques de manière générale. Hein, et on sait qu'on n'est pas on a sans doute des progrès à faire, allez, pour le dire comme ça, sur l'évaluation des politiques publiques en général. Et donc, il s'agirait de travailler sur cette évaluation au prisme du genre, donc de pouvoir mesurer les impacts de nos politiques publiques de manière générale en intégrant la question du genre. C'est sans doute une étape supplémentaire qui avait déjà un peu été initiée, je crois, il y a quelque temps par le service des droits des femmes, sur lesquelles la mesure d'impact était devenue un sujet très important, en particulier dans le cadre législatif. Et l'évaluation des politiques publiques, pour nous, ça veut dire évaluation en amont, hein, en amont d'un projet, et à la sortie du projet, évidemment, pour pouvoir comparer un état initial et un état final. Donc, ça veut dire vraiment des changements de pratique, parce qu'aujourd'hui, quand on collecte des données statistiques et qu'on veut faire un état des lieux, c'est déjà ça, c'est déjà l'évaluation de la situation en amont pour pouvoir ensuite se dire, voyons voir comment ces données ont évolué après le projet. Ça peut être un projet qui dure un an, deux ans, trois ans. Je pense qu'il faut quand même laisser aussi le temps hein, que le projet se déroule. Et puis, cette évaluation, elle peut se passer par des diagnostics et par des évaluations finales. Et tout ça, enfin, je ne sais pas les autres collectivités, mais aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas vraiment encore ni le temps ni les moyens de le faire. Et ça renvoie à un deuxième volet qui est la question, on en a déjà parlé tout à l'heure, des indicateurs. Si on se donnait des indicateurs suffisamment précis, pertinents, qui nous permettent justement de faire cette démarche d'évaluation, c'est-à-dire on mesure et on chiffre au niveau quantitatif et qualitatif un certain nombre d'indicateurs, et puis l'action se passe, elle se produit, et on revient à la sortie de l'action sur l'évaluation à partir de ces mêmes indicateurs. Ce serait encore des éléments méthodologiques à développer. Aujourd'hui, ils sont légers, ils sont peu développés pour le moment, mais je crois qu'il faut qu'on progresse. Pour donner un autre exemple, on n'est pas seulement sur les domaines de la culture et du sport, qui sont effectivement ceux sur lesquels on travaille aussi, bien sûr,
Mais l'exemple de l'urbanisme me semble intéressant. À Paris, on a fait depuis 2014, on développe tout un programme sur genre et espace public. Genre et espace public renvoie à l'urbanisme et la direction de l'urbanisme de la ville, avec les urbanistes, les architectes, les chargés de projet, les ingénieurs, a pris un peu la mesure de cette prise en compte du genre dans les projets d'urbanisme, en parallèle avec le projet transition écologique, développement durable, climat, évidemment, qui là est un critère bien marqué déjà. Et donc, on a pu, par exemple, poser le critère de genre comme un critère obligatoire dans un appel à projet, un gros appel à projet d'urbanisme, d'aménagement, qui était les sept places de la ville de Paris en réaménagement. Ce critère était obligatoire dans l'appel à projet. C'était en 2018. Les collectifs ont répondu et plus ou moins bien, enfin, il y a eu des éléments de réponse. Les travaux ont eu lieu, les places sont rénovées. On s'est posé la question de l'évaluation. Comment mesure-t-on l'impact de la prise en compte du genre dans l'aménagement des sept places? Et ce n'est vraiment pas facile, ce n'est pas facile du tout. Parce que l'aménagement des sept places, quand on a un grand projet d'urbanisme, ça renvoie à beaucoup de critères. La question du genre est parmi ces critères. On peut lui attribuer un certain nombre de choses. Ça peut avoir un côté subjectif. Donc aujourd'hui, on a généralisé la démarche dans tous les projets d'aménagement en matière d'urbanisme. Et dans les clauses, qui sont les cahiers des charges, les appels à projets, les conventions, etc., à la direction de l'urbanisme, on trouve ce critère de genre comme un critère, comme le climat, au parallèle, hein, de transition écologique, transition féministe, comme nous disons un peu à Paris, ce critère de genre à côté du critère de climat, comme un critère qui est vivement recommandé, voire obligatoire, dans les appels à projets en matière d'urbanisme. Donc, on avance petit à petit comme ça sur la prise en compte du genre dans l'espace public. L'espace public étant quelque chose de diffus, on ne peut pas vraiment faire des comptages, on ne peut pas vraiment, à part faire des comptages postés au coin de la rue, hein, mais on n'a pas des clés d'entrée, le nombre d'adhérents, le nombre d'usagers, etc. C'est donc diffus. Il faut se donner des moyens, peut-être différents de ce qu'on connaît déjà. Ce pourquoi nous travaillons hein, depuis un petit moment déjà sur le déploiement de cette politique, sur la prise en compte du genre dans les projets d'aménagement de l'espace public. Ça renvoie à des questions de sécurité, d'éclairage, de végétalisation, de mobilité. Et donc, voilà, petit à petit, on avance avec l'Agence d'écologie urbaine, l'Agence de la mobilité, la direction de la prévention et de la protection, puisqu'effectivement, ça renvoie à des situations de harcèlement de rue dans l'espace public. Et donc, on a pu former la police municipale, la nouvelle police municipale, sur les problèmes de harcèlement de rue, comment repérer, comment agir. Voilà, donc, si vous voulez, en se disant qu'on va mesurer l'impact, on se donne en amont, peut-être, l'idée, la possibilité de créer des outils largement marqués par la production d'indicateurs et le renseignement de ces indicateurs. Et surtout de choisir les bons indicateurs, c'est ça qui n'est pas facile. Merci Madame Guillemot. Madame Claire. Oui, alors la question en effet des retombées hein, très concrètes. Hein, alors de notre côté, moi comme je l'ai mentionné dans notre présentation, donc nous ça nous a vraiment amené à avoir des ajustements dans la très mesurable. Donc, je donnerai l'exemple notamment du label égalité, là, qu'on a déjà mentionné. Du côté des sports, on a également un observatoire qui a été créé à un partenariat avec l'Université de Strasbourg, donc qui va être renforcé suite à cette démarche, avec notamment des études plus spécifiques sur les pratiques sportives des femmes licenciées. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, on a vraiment des éléments très, très tangibles et très, très visibles. Et pour moi, il y a un deuxième niveau d'impact qui, à mon avis, est essentiel aussi, c'est la montée en compétences des agents et des agentes et aussi une pratique professionnelle qui est améliorée. Je pense que les agents ont vraiment constaté qu'on est passé en fait de la prise en compte de l'égalité femmes-hommes comme un enjeu de société à aussi un outil qui vient améliorer les pratiques et qui vient améliorer les projets et la façon finalement dont les fonds publics sont utilisés. Et ça, je pense qu'il y a vraiment eu un éveil des conscience hein, de certains agents et de certains agentes sur ces questions. Et ça me paraît vraiment, vraiment important à souligner.
Avec aussi cette idée, ben, comme l'a mentionné ma collègue de Paris, hein, de montrer aussi le bien fondé de l'analyse des données sexo-spécifiques, d'avoir tout au long aussi de l'élaboration d'un projet, on faisait référence à Montréal, mais cette analyse différenciée selon les sexes avec une approche aussi intersectionnelle. Donc on a vraiment on a constaté ça auprès de ces agents et de ces agentes qui pouvaient être assez éloignés finalement des questions d'égalité femmes-hommes. Il y a les lunettes du genre qui sont, ça y est, elles sont présentes, il y a un réflexe qui existe, et ça, je pense qu'on peut vraiment s'en réjouir avec un effet boule de neige, un très concret qui se fait auprès des collègues. Et puis pour terminer, en termes d'impact, je pense que c'est un collègue de Paris qui parlait de la BSG comme un sujet à tiroir. Je trouve que c'est intéressant aussi parce que je pense vraiment que la démarche BSG, elle peut aussi toucher et faire évoluer des aspects très divers des institutions et des opérations. Je pense notamment à la question de la communication qui est pourvenue dans le cadre de nos rencontres quand on sait on a été accompagné et formé, donc notamment la communication inclusive qui a été abordée, puis plus généralement si la formation aussi des communicants à une communication exempte de stéréotypes. Ça, c'est quelques exemples aussi qui ont émané comme des pistes d'action très concrètes aussi pour répondre aux inégalités structurelles qui ont émergé de cette analyse BSG. Voilà, j'espère que j'étais claire. Oui, très clair. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention, réponse? Cette ultime question. Sauf si, madame les rapporteurs. Non. Merci. Chers intervenantes, un dernier mot ou pas? Sinon, nous en resterons là pour aujourd'hui, en tout cas, merci pour votre disponibilité, la qualité de vos interventions. Merci à nos rapporteurs pour le travail qu'ils ont mené dessus. Et je vous rappelle que donc nous nous retrouverons le 23 mars prochain à 9h30 pour l'audition de messieurs Delaporte et Vogetta, puis l'audition de madame Isabelle Rome sur sa feuille de route. Excusez-moi, j'ai un dernier élément. Ah, allez-y, madame Claire. C'est encore, il y a encore très, la connexion. Très rapidement, c'est juste que... Je m'entends en écho, excusez-moi. Très, très rapidement, mais comme vous l'avez mentionné préalablement, là, je comprends que vous avez aussi déjà échangé avec des expériences aussi à l'international. Peut-être mentionner que nous, à la ville de Strasbourg, on a la chance de pouvoir poursuivre cette expérimentation BSG dans le cadre d'un projet européen, puisqu'on a répondu à un appel à projet de la direction des réformes structurelles de la Commission européenne, et donc on a obtenu une réponse positive, et donc on va pouvoir poursuivre cette démarche de budgétisation sensible au genre, donc de gender budgeting là, pour les deux prochaines années, avec une expertise, là, plus de 250 jours d'expertise qui sont mis à disposition. Et on va être associé donc, à 7 autres États, donc notamment la Roumanie, la Grèce, l'Irlande, l'Allemagne et puis également le Portugal. Donc, j'espère qu'on aura peut-être l'occasion aussi de vous partager, notamment aux autres métropoles, les fruits de ces collaborations. Alors, Madame Groupeau est positionnée dans le cadre de ces travaux. Merci sur beaucoup. Madame Enoch et Madame Letourneux, rapidement, parce que je vois que les mains se sont levées aussi. Oui. Non, mais c'était en effet cette volonté d'échange aussi que vous avez renforcée avec l'audition de ce matin. Je voulais savoir s'il y aura un compte-rendu pour qu'on ait bien les mails des unes et des autres. Et puis, voilà, s'il y en a qui souhaitent partager des informations, je pense notamment à Paris, parce qu'ils ont expérimenté sur plusieurs directions. Et ça, on a passé rapidement en fait, sur les résultats. Moi aussi, je peux transmettre un peu plus d'éléments, évidemment, sur le bilan d'une première année d'expérimentation à Lyon. Donc, voilà, preneuse de cette démarche. La vidéo, la retransmission de cette audition sera bien entendu en ligne. Donc, on pourra vous la transmettre, ainsi que le contact, la mise en contact avec l'ensemble des intervenantes et intervenants. Madame Letourneux. Merci. Moi, je voulais vous remercier pour cette initiative. Je pense qu'il y a matière aussi, on voit bien qu'il y a des démarches qui sont locales. On voit bien l'impulsion de la loi, notamment l'impulsion de la loi du 4 août 2014, c'est important. Mais au-delà de la loi, on a besoin, je pense aussi, d'animation de ce type de démarche, d'animation collective. Et c'est aussi ce qui explique les demandes des unes et des autres.
Et puis, si je peux me permettre une petite suggestion, moi, il me semble que si le législateur pouvait se questionner sur le fait d'imposer des études d'impact en matière d'égalité, de la même manière, sur tout projet, de la même manière qu'il existe des études d'impact en matière d'impact environnemental, je pense que ça nous permettrait d'abord de poser la problématique de l'égalité très en amont des projets, ce qui est essentiel. Ça permettrait aussi de légitimer cette démarche d'approche en matière d'égalité et de questionnement en matière d'égalité. Donc, je me permets cette petite suggestion. Alors, c'est déjà le cas sur les projets de loi. Mais les indicateurs sont à améliorer. Alors, on peut améliorer les indicateurs, mais on peut améliorer de manière générale les études d'impact, souvent. Oui. Ce qui pourrait être fait, par contre, et complète, c'est parce qu'il y a les études d'impact, mais les études d'impact pourraient être présentées avant la présentation et présentées en commission notamment, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles sont transmises et on y a accès. Mais il n'y a pas de présentation de l'étude d'impact avant la présentation publique, en commission, avant la présentation du projet de loi. Et on pourrait avoir une présentation de l'étude d'impact avec discussion auprès des parlementaires avant la présentation elle-même du projet de loi. Bon, sur ce, je vous remercie. Bonne journée à toutes. Merci. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon, voilà. On a fini. C'était difficile. Punaise, comment c'était difficile.